Salut! C'est la troisième vidéo sur le camion. Tintin! Tu caches la blague? Le camion, il a des fenêtres. Donc on va faire un petit tour et c'est Solène qui va filmer. Donc si ça tremble, ce sera de sa faute. Mais non. Voilà. Moi je vais trembler, hein, je le sais. Hein. J'angoisse maintenant. Voilà, ce sera une vidéo qui tremble. Du coup, en premier, Solène, ce que je t'ai pas montré tout à l'heure, c'est cette petite aération qui est minuscule. Mais qui en fait est obligatoire pour le passage en VASP parce qu'il faut des aérations minimum obligatoires. Nous avons une fenêtre qui coulisse. Tintin. C'est la plus grosse fenêtre et elle est trop cool parce qu'elle est là. Parce qu'elle est grande surtout par rapport aux autres. Voilà. Nous avons des petits lanterneaux. Oh, il est assez grand. C'est des Velux. Qui s'ouvre. Très bien, mais on a peur que ça se casse facilement. Oh, ça n'a pas l'air hyper solide. On l'a tout juste reçu de terre, donc on n'est pas encore au point. Mais on a super long. Et après, on a une petite moustiquaire. Anti-moustique. Et un petit occultant. Anti-occulte. Un autre lanterneau. Différent. Sur celui-là, il s'ouvre comme ça. En tournant cette petite manivelle qui a déjà une moustiquaire intégrée et auquel nous pouvons ajouter un ventilateur si on veut. Et pas d'occultant. Voilà. Pas d'occultant, non. Bah super. Ça nous fera la lumière du matin parce qu'on aime bien se réveiller avec la lumière du matin. On a deux petites fenêtres à l'arrière comme ça. Elles sont pas très grandes mais je pense que ce sera bien parce qu'on peut les regarder comme ça. Mmh. Allez, le téléphone qui sonne. C'est pas pro du tout ça, Solène. Hein. Et après, en petit matériel électrique, nous avons une arrivée 230 volts parce que l'artisan nous a posé une prise P17 qui est sous le capot. Et nous avons la petite prise P17 qui nous permet de nous brancher sur secteur si nous sommes chez des gens. Voilà. C'est tout. Ouais. Avec cette batterie lithium 100 ampères-heure qui nous a coûté plus de 1000 euros. Ce qui fait un peu cher la batterie, donc j'espère qu'elle sera bien. Mais une batterie lithium, c'est mieux que les batteries gel ou AGM parce que ça tient plus longtemps dans le temps. Elle peut faire plus de cycles de décharge et on peut la décharger quasiment jusqu'à 100% alors que les autres batteries, c'est jusqu'à 50%, 50% maximum, quoi. Donc cette batterie, elle est reliée grâce à ce petit Orion TR Smart 12-12-18 à la batterie moteur. Donc ce qui fait que quand on roule, cette petite chose recharge notre batterie lithium. Voilà. Et ce petit MPPT, c'est parce que je ne l'ai pas dit, on a un panneau solaire sur le toit, on va aller filmer après, qui fait 215 watts, qui est relié donc à cette petite chose qui permet de convertir l'énergie solaire en énergie électrique qui rejoint la batterie lithium. Voilà. Et après, on a un petit disjoncteur 16 ampères qui permet qui de disjoncter s'il y a un problème et qui relie, enfin qui est sur notre circuit 230 volts. Très bien. Voilà. Attention, c'est dangereux d'être 4 heures. Je peux pas plus que ça. Attends, il y a un truc là. Le panneau solaire, il est là. Voilà. Oh, putain. Non, d'accord. Pas prête. C'est trop dangereux. Je peux pas être la pire vidéo de l'histoire de ma chaîne. Bon ben, vous verrez pas le panneau solaire. C'est fou. Là, on va attaquer ce week-end parce qu'on vient juste de récupérer le camion qu'on est vendredi soir. Ce week-end, on va attaquer l'isolation du sol. On va mettre un peu de liège 4 mm acheté d'occasion sur Le Bon Coin parce qu'il y a des gens qui isolent et qui revendent leur reste. Donc c'est leur cool. Chute de liège. Pas du tout assez pour l'instant, mais ça va être pour le sol. Je pense qu'il y en a assez pour le sol. Oui. Donc on va commencer ça demain, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo pour toi-même qui regarde cette vidéo. Sur ce, je
te fais plein de gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi, et moi je t'aime très 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 fort. Une petite patate. Ça me détend.